Vraiment, merci. Hein, merci. C'était vraiment important pour moi que officiellement que je maîtrise toutes nos vidéos. Elle a fini par me maîtriser quand même, c'est intéressant. Et puis elle prie beaucoup pour moi, elle m'aime beaucoup, elle est son mari. D'ailleurs, elle maîtrise tout. Et tu vous bénisses. Alléluia. Elle aussi a envoyé un colis. Un bon colis, amen. Elle m'a fait marier hier, ma fille, merci. C'est important, vous savez, dans notre ministère, nous sommes confrontés à la méchanceté, à des gens qui sont très ingrats. Vous ne savez pas combien de fois j'ai aidé beaucoup de gens dans le monde. Il n'y a pas de merci. Il y a des gens qui ont sorti des situations les plus terribles. Ils vont verser ailleurs, ce n'est pas mauvais. Mais le merci, là, c'est important. Il y a des gens qui ont délivré sans quoi du passé au Ghana, ils vont dans leur argent. Or, quand ils étaient dans les difficultés, c'est moi qui les fais sortir dans les difficultés. Souvent, on est choqué de comprendre que les gens sont ingrats. C'est un ministère. Aujourd'hui, si les gens voulaient nous aider, nous ne serons pas juste là. Amen. Voilà. Amen. C'est pour ça qu'on vous aide parce qu'on a envie de vous aider. Sinon, ce n'est pas votre argent qui nous intéresse. Nous avons vécu tellement de choses ici. Donc, on comprend qu'une personne vient de plus loin. Est-ce la première fois? Vous savez, pour sa vie sur l'Israël, c'est la première fois qu'on se voit physiquement. Et puis, pensez à moi. Je sais combien de fois ma soutenir, m'a envoyé de l'argent, m'a aidé. Et ça, c'est déjà important pour moi. De comprendre qu'il y a une personne déjà qui je ne connais pas physiquement et qui me porte dans son cœur. Amen. Amen. Et ça, c'est beaucoup important. Parce qu'il faut que le ministère pense. Est-ce que vous ne savez pas que c'est les gens qui soutenaient le ministère de Jésus? Jésus faisait le spirituel, il parlait, il évangélisait. Mais la Bible dit qu'il y a un groupe de femmes qui soutenaient Jésus financièrement. Si vous voulez que l'onction, vous voyez là, ça se protège. C'est ce que vous ne savez pas. On protège l'onction. Il y a des gens qui s'investissent dans les partis politiques. Ils meurent même. Pour les leaders politiques. Pour un être humain. Ils sont prêts à mourir. C'est Jésus. Je suis pour mon fond, mon surpris de comprendre que les gens ne sont pas prêts. Vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand vous investissez dans un ministère où il y a l'onction de la destruction, c'est cette onction-là qui vous conduit. Amen. Amen. C'est ce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas besoin de donner sur le prophète. Le fait de donner, de soutenir le ministère, Dieu vient de vous bénir. Non, ne coupe pas après vous. C'est pour ça que j'évite de dire aux gens, donnez les offrandes. Non. Amen. Non, on ne poursuit pas les gens. Alléluia. Amen. Vous-même, vous savez que Dieu existe. Merci à la pensée, monsieur. Viens. Excusez-moi. Viens. C'est ce qu'elle a dit quand tu danses la tête, c'est un saut comme ça. C'est ce qu'elle m'a dit de traduire. C'est ce qu'elle a dit, je suis en train de traduire. Eh bien, voyez, voici, merci. Merci, merci. Alléluia, c'est pour dire que je suis vraiment, j'étais vraiment dépassé quand elle m'a dit ça. Jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire sur tout le monde, connaît tout le monde. Ben, tu as regardé dans la vidéo, mais maintenant, voici le direct. Amen. Merci surtout, merci. Parce que de comprendre qu'il y a des gens, merci sur ton époux. Beaucoup de grâce et beaucoup de bénédictions sur vous. De comprendre qu'il y a des gens à l'extérieur qui ne pensent qu'il y a nous. Il y a des gens qui prient pour nous. Je me souviens aussi de Jolie. Il y a une soeur aussi togolaise depuis Bruxelles aussi. Elle aussi dans le secret, couche pas aussi des gestes. Et je dis merci à cette soeur aussi qui nous porte au-dessus du cœur. Sans oublier Elisabeth Dobé. De Zaroko et de Louise, voilà, donc je salue tout cela du passage. Et c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, je vais parler du programme de l'Europe, surtout que nous sommes suivis. Dans ce temps-ci, on avait commencé un programme sur le Skype. Après, du coup, il y avait un problème d'organisation. Vous savez, il faut être patient, il faut être patient pour gérer les gens le téléphone. Moi, je sais ce que c'est. Parce que par moments, les gens mettent trop de pression. Et en mettant trop de pression, c'est Naomi, maman Naomi, trop de pression. Par moments, c'est qu'il y a trop de pression, les gens ne sont pas passants lâches. Vous voyez, les gens craquent, ils lâchent, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce problème à mon niveau. Parce que je ne peux pas aussi moi-même être ici en bas du bois et puis organiser les rendez-vous. Donc, j'avais ce problème-là qui faisait que je ne pouvais pas maintenant répondre sur le Skype. Elle aussi a les activités. Elle avait laissé ça un moment. Pour s'occuper d'un problème de presse, les gens ne sont pas patients. Ils ne savent pas que le prophète crache une vie. Moi, souvent, on m'appelle à 23h, souvent que je vais me dire, il fait quelle heure? On dit, mais il n'y a pas de mal.
il fait quelle heure? Non, c'est ça. Il fait l'heure à laquelle tu parles, tu appelles maintenant, je ne peux pas te recevoir. Parce que j'ai quand même aussi une vie et tout ça. Voilà, donc nous avons repris nos activités. J'ai carrément exclu un peu Diamant dans tout ce que tu es en train de faire. À cause du fait que le monsieur avait commencé à menacer Diamant. Il a dit que Diamant avait tout sort de problèmes. Oh, bah, c'est madame Da qui est là, à qui tu as arraché, a pris de l'argent. Et tu es obligé de redonner l'argent. On a suivi toute cette scène après. Donc, j'ai rentré à Paris. Je comprends pourquoi. Mais très bientôt, je serai avec vous très bientôt. Une question de jour. Je dis rien, mais vous allez me voir. Avec tous mes gars. Et c'est dans les bonnes mains, et c'est bien en train de bien se préparer. Et j'ai compris pourquoi la dernière fois ça avait échoué. Donc, c'est la soeur Diamant qui va reprendre. Elle va reprendre, coordonner, parce que c'est important. On avait commencé déjà à prier pour les gens qui se sont engagés dans les achats des huiles. Et ça, c'est important pour nous. Et que du coup, on a commencé à stopper. Et ça a eu un problème d'organisation. Donc, notre soeur va reprendre. Elle va commencer à coordonner tout ça. Elle aussi va commencer à coordonner un peu tout ça qui s'occupait de mon arrivée à Paris. Les gens ont commencé déjà à rentrer en contact avec elle parce qu'elle va commencer déjà à mettre beaucoup de choses déjà sur pied. Vous prenez le numéro de Diamant. La soeur Diamant, c'est elle qui va maintenant s'occuper de tout ce qui est organisation au niveau des huiles et tout ça. C'est elle maintenant qui prend la chose en main. Parce que c'était vraiment important. Vous prenez 2x0 00 337 51 52 07 00. Je reprends 00 337 51 52 05 00. Je reprends, ça s'appelle Diamant. 00 337 51 52 05 00. Amen. Vous contactez la soeur Diamant pour ceux qui ont déjà des rendez-vous avec moi, parce que c'est important. Comme la soeur Nabou faisait, elle prend le nom des gens, elle m'appelle, et puis ben, on s'occupe d'eux. Or, moi, à mon niveau, je ne peux pas. J'ai déjà ici trop de charges. Je peux pas aussi suivre l'international. Il faut une personne là-bas qui nous représente. Donc, je pense que cette semaine, elle va essayer de coordonner tout ça. On aura l'occasion de prier pour vous. Et par la grâce de Dieu, je pense qu'elle aura l'occasion de vous expliquer dans les moindres détails mon arrivée sur la France. C'est très bientôt d'ailleurs. Amen. Il y a aussi un frère, je dis merci, je ne dis pas son nom, et qui nous a envoyé des affaires qui sont au port. Ça fait maintenant, depuis le 5, les affaires sont arrivées au port. Amen. Il a fait venir un minibus. Dans le minibus, il a introduit nos affaires. Tout ça. Des vélos, des habits, des chaussures. Ben, voilà, donc je crois que demain, lundi ou mardi, j'irai voir régler le problème au niveau du port et tout ça. C'est quelqu'un qu'on ne s'est jamais vu, même sur l'escalade, on ne s'est jamais vu. Ben, il a pensé à notre ministère. Et ça, c'est important. Vous les jaloux là, c'est vous les couverts, vous allez tous mourir. Vous qui ne voulez pas nous voir avancer, sorcier, c'est vous qui allez partir. Amen. J'ai dit aux gens, si j'ai pensé à moi, vous n'allez pas dire ça en Côte d'Ivoire, chaque fois que je suis parti. Dans le secret, les invitations que je reçois, c'est trop terrible. Mais je ne pense qu'à la Côte d'Ivoire, je ne pense qu'à l'œuvre de Dieu, pas à mon ventre. Je pense qu'à l'œuvre. J'ai dit, il y a plus à faire ici qu'aller se balader à Paris. Voilà, il y a plus à faire ici. Donc merci. Le frère réside en Allemagne. Il sera là très bientôt, mais il a déjà envoyé les affaires. On aura l'occasion de retirer, vous présenter la chose. Ça, c'est important pour nous. Amen. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit glorifié. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Vous êtes ici. C'est l'état-major de la brigade anti-sorcier. Que vous voulez ou pas, il y a une brigade. On dit quand il y a eu l'état anti-micro. Oui. Il y a un fléau. Nous avons une brigade. La brigade anti-sorcier. Que vous voulez ou pas, nous nous délivrons les sorciers. Amen. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit glorifié. Et le Seigneur a besoin de vous pour nous aider à avancer dans le ministère. Ah oui, c'est votre argent. On a besoin de vous, on a besoin de votre argent. Il y a trop de soucis.
Pendant que je vous parle comme ça, il y a deux voitures qui sont en panne, qui sont au garage. J'ai deux voitures, il y a une X5. La Laguna s'est stockée là-bas. Entendez, oui. Problème de moteur. Les deux ont problème de moteur. Or, si on avait assez de voitures, on allait faire des patrouilles. Ça vous plaignez quand vous dites non, on parlait dans vos villages, donnez temps. Parce que c'est important. On va prendre l'essence, vous voyez, station là, ça ne prendrait pas grâce. C'est ce qu'il dit aux gens, vous pensez que. Mais Jésus, à son temps, lui, voyait, l'évangile était gratuit. Maintenant, rien n'est gratuit. Jésus n'a jamais pris avion. J'ai dit, adaptez l'évangile à notre époque. Vous n'avez pas vu Jésus prendre un avion? Jésus lui marchait. Vous t'avez invité à Paris. Il fait comment? Gratuit. Tu n'as pas visa. Vous disparaissez, venez à Paris. Ou bien tu m'invites à Kajibiro, il fait comment? Je dois aller avec une équipe. C'est l'argent. On ne peut rien, c'est l'argent. Or, si on avait un équipement ici, juste là, on avait des voitures ici, ce n'est que le carburant. Et puis, paf, on a plus besoin de nous dans vos villages. Vous venez vous faire délivrer, mais nous voulons être plus dans vos villages pour traquer les sorciers, délivrer les gens. Or, le carburant même dans ma voiture, c'est 55 000 francs. Allez, le plein, le retour, vous comprenez? C'est déjà l'argent. Donc, on a besoin de ça. Les gens sont là, personne. Donc, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a besoin de vous. Quand vous regardez, on prie pour vous. Mais après la prière, vous disparaissez. Vous partez ailleurs où les gens n'ont même pas crêché. Or, quand vous venez ici, tous vos sorciers nous attaquent. Or, vous aimez les coins où on dit donnez, donnez. Vous aimez bien ça. Nous, on ne nous amène pas ici. Or, à Paris, là. Tant qu'il n'a pas donné, héros, on ne prie pas pour toi. C'est comme ça. Où le pasteur prend tous tes fauteuils, il prend ta télévision, c'est envoûté. Les sorciers sont dans la télévision. Les sorciers sont dans les fauteuils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où il y a les pasteurs qui disent, comme tu es envoûté, les gens qui couchent avec toi, vous êtes dans des envoûtés. C'est juste à Paris. Corps à corps, vous te délivrez. Vous aimez bien ça, les points bizarres. Ou là où on vous amène, quoi ça? Vous finissez, c'est dans des endroits bizarres. Or, si vous investissez dans le ministère, vous allez voir. Les choses vont aller. Nous avons besoin de changer le design de la décoration de la salle cette semaine. Vous voyez que tout est en ruine. Mais personne ne lève le doigt. Vous voyez, la partez. Or, c'est un endroit où il y a plus de bengis. Il y a trop de bengis que nous pouvons ici. Vous venez de beng, tout ça. Aidez-nous à servir Dieu. Il y a l'onction. On a besoin de ça. Amen. Amen. Oui. On ne peut pas à la fois prier et puis aller chercher l'argent. Quand j'ai fini derrière ma maison, je dois nourrir ma maison. Et vous, ça vous dit rien. Hein? Le prophète, sa maison, le prophète doit dormir. Non. Il y a des réalités. Quand je fais des prières, j'ai un chemin. Voilà. Donc, on a besoin de votre soutien. Il est vraiment important de nous soutenir. Et comme comprenons que des soeurs, comme la dame de son mari, soutiennent le ministère, gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu me soutiens, il te soutient. Ah, vous dites ah. Alléluia. Amen. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. Une femme m'appelait, je lui ai dit, prophète, est-ce que tu me connais? Dis, comment je te connais? Non, c'est moi, je te connais comment? Elle dit, j'ai compris. Elle a bien compris le message. Elle dit, je te connais comment? Le problème, elle a un problème pour payer sa maison, tu dis, je te connais. Pour laquelle elle voit que c'est la fin du mois, je te connais. C'est une chose sur moi. Et puis elle a commencé à dire, ah, c'est maintenant, je vois clair dans ton affaire. Puis j'ai commencé à prier pour elle. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de votre soutien. Moïse a eu le soutien de U et de Aaron face au combat. Tu vois, nous laissons au front, il y a des réalités, il y a des maisons. Tous ces maisons les soutiens. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on peut vous expliquer. C'est l'argent, plus de 2 millions. On gagne ça comment? La maison, vous voyez, c'est 150 000 francs. Chez moi, ça fait 60 000 francs. Il y a trop de dépenses. Il y a des factures de courant. On venait au gaspiller l'autre. C'est nous qui payons ça. On a souvent des factures de 90 000 francs ici. D'eau. On a des factures de 100 000. 150, 160, 80 000 francs. On n'a jamais appelé une personne pour dire paye telle facture. Nous, nous devrions, pour la grâce de Dieu, pour payer nos factures. Il y a des réalités. D'autres ministres dans les partis, vous voyez comment vous contribuez chaque fin du mois, vous donnez à des partis politiques, des gens, des êtres humains, périssables. Or, il s'agit de Dieu. Depuis que nous sommes postés, regardez un peu, j'ai ce qu'il dit au nom de Divo. Vous pouvez critiquer le prophète Crasso, il y a des œuvres.
Jésus pouvait mal parler de moi, mais regardez à cause de mes œuvres. Et ils savent bien, vous parlez ou pas, moi je montre les œuvres. Ça fait quelque temps, il y a eu voix de Azaroku, il y a eu route. J'avais déjà prophétisé ça. Didoko, ils ont fait le putain de Didoko. Ils sont en train de faire Dibo. C'est une réalité. Ce sont les œuvres de nos prières. Amen. Amen. Alors, il y a de quoi soutenir ce ministère. Amen. Amen. Moi, ma voiture est venue de l'Allemagne. C'est une soeur qui m'a donné cette voiture. Elle n'est pas ivoirienne. Elle m'a donné cette voiture. Je suis parti avec une fois à Zaroko. Qu'elle a vu la voie, elle dit non. J'avais une voiture bizarre. Oro, oro, on appelle ça oro, oro. Et puis, m'a dit non. Ton oro, oro, là, pardon. Ici, là, il faut venir 4x4. Et puis, m'a envoyé ça de 4x4. C'est venu de l'étranger. Il n'y avait pas une soeur ivoirienne. De l'étranger. Mon frère, il me regarde comme ça. Oh, je suis en train de faire le travail. Ceci est ici où je veux le prophète Crasso. Je me déplace. Mais oui. Vous voyez que quoi? J'allais en Afrique centrale, ils ont besoin de moi là, même au Gabon. J'allais m'asseoir au Gabon. Ou même m'asseoir au Congo. C'est parce que j'aime trop la Côte d'Ivoire. Amen. Personne ne peut m'arracher la Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Je suis prêt pour ma nation. Je suis trop prêt pour ma nation. Alléluia. Amen. Vous voyez, depuis quand vous avez vu Sorchi, on les délivre. Vous-même, je vous pose la question. Depuis quand vous avez vu ça? Même les féticheurs, ils tirent les sorciers, et ils en vont. Nous, on délivre sorciers. Où le petit Dieu donné là? Il y a un petit qui dansait tout à l'heure. Il est où? Bien. Le petit là. Quand je suis rentré à Zaroko, sur ce petit là, quand on a mis la main, il m'a changé en bril. Le premier qui pilotait toute la confrérie de Zaroko, le petit là. Il y a une dame qui était députée de Iré. C'est lui qui a envoyé ses ferrets tuer la femme. C'est lui que j'ai épinglé et puis je suis allé détenir le canari ici chez la dame où se trouve encore la chair humaine. C'est le petit. Là. Nous l'avons délivré. Il est reparti à l'école. Ça marchait chez lui. Je l'ai envoyé ici faire ses vacances. Nous sommes en train de suivre. Vous comprenez? Nous apportons la vie autour de nous. Alléluia. Amen. C'est pour l'aider à la rentrée scolaire. Je paye ses fournitures qui va répéter à l'école. Amen. Parce qu'il a droit. Je l'envoie. Parce qu'il a droit à l'éducation. Parce qu'il protège sorcier. Non. Il faut permettre aux gens de vivre librement et que ça soit un témoignage. Oui, ce serait un témoignage. Nous sommes en train de les encadrer. C'est un enfant qui pratiquait la sorcellerie. Maintenant, c'est du passé. Amen. C'est du passé. Et il y a un travail qu'on a fait dans votre région. C'est ce qui est vrai ici. Et je sais combien de fois je suis persécuté. Combien de fois on me menace de mort. Combien de fois on veut faire disparaître ici. Oui, il y a des choses que je peux vous expliquer. Des menaces de mort. On ne veut plus qu'ici existe parce que je les dérange. Oui, à cause de nous, la mort de Iré ne reçoit plus assez d'argent. Ah, parce que les criminels spirituels t'ont traqué, délivré. Ce qui dit là, c'est les sorciers. Amen. Amen. C'est les sorciers. C'est la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous combattons la communauté spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que l'homme a droit à la vie, s'il vous plaît. Rien ne vaut la vie. C'est ce qui est dit au nom. Rien ne vaut la vie. Un individu est maté quand il met pas fin à ta vie pour rien. Il n'y a pas de raison. Et ça fait mal. De comprendre que ces personnes-là sont là et nos états ne font rien. Or, ils croient, ils savent que la sorcellerie existe. Moi, je n'ai pas attendu l'état pour commencer un centre de prière. J'ai parlé, j'ai dit, le problème, c'est la sorcellerie. Je me suis mis dedans parce que j'étais appelé à ça. Chaque personne appelée à son travail. Moi, mon travail, c'est de délivrer. Or, là où la sorcellerie est combattue, le développement s'installe. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous voulez parler de développement, combattre la présence de la sorcellerie. Nos braves valets sont en train de mourir. Ceux qui doivent développer la Côte d'Ivoire, qui sont des grands intellectuels, les tuent. Mystiquement, je meurs. Et les sorciers ne sont pas inquiétés. Depuis que nous sommes dans cette région, nous inquiétons maximum le royaume de la sorcellerie. Amen. Depuis que nous sommes installés ici, qu'on a fait connaître le sang officiellement, mais les gens sont libérés aujourd'hui pour des soulagements. Amen. Il y a un jeune qui est venu d'Abidjan.
Elle a même dit au revoir, son mari s'est rendu ici. Tu as quoi, je mange là-haut. Oui, je mange, je suis fatigué. J'ai trop fait de sauce. Voilà, jingle, j'aime bien, copain, elle va être délivrée. Donc on a prié pour elle. Mais si on la délivre pas, mais son mari, le brésil matin a quitté, fais-le manger. Elle a été délivrée. Où est la soeur? Où est la soeur? Appelez-moi la soeur. Envoyez-la. Elle, oui. C'est comme ça. Amen. Elle dit que c'est dimanche, il y a des enfants qui viennent se faire délivrer. Tel que le petit junior, il est venu de lui-même. Pendant qu'on était à Zaroko, il est venu se faire délivrer. Tu as quoi? Je suis gentil. Il a marché de son village, Gogo Bro, jusqu'au village, à Zaroko, pour se faire délivrer. On l'a délivré. Les parents ne veulent plus le prendre. On l'a récupéré. On l'a délivré. Tout le monde a apporté l'éducation à l'enfant. Heureusement qu'il y a une soeur camerounaise qui l'a pris en charge, gloire à Dieu. Cette soeur qui va financer ses études, cette rentrée scolaire. C'est ça, nous apportons la vie autour de nous. L'église doit apporter la vie parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. 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 Souvent l'église oublie le social. Ça fait partie du ministère de Jésus. Jésus nourrissait des gens, Jésus s'occupait des gens. Or, dans d'autres églises, quand tu n'es pas dans la même église que toi, ils ne te disent pas bonjour. Ils ne s'occupent même pas de toi. Ça leur dit rien, ça devient une secte. Amen. Or, l'église de Jésus-Christ ouvert à tout le monde. Alléluia. Jésus a besoin des mauvaises personnes. C'est vrai que nous combattons la sorcellerie. Mais nous avons notre manière de voir la sorcellerie, nous autres. Nous voyons peut-être, si je n'ai pas trop exagéré, le sorcier lui-même comme victime. Ah oui. Souvent, ça choque les gens. Ah, comment pouvait-il? Comme lui qui vient de manger sauce, tchac, etc. Lui qui vient de manger sauce pour aller délire, il est victime. Est-ce qu'il mange à Zébadou? Il dit, mange un cœur, un tête, c'est pas doux. Ok, il dit, bon, ok, écoute. Quand tu l'entends parler, il dit, on m'a initié, n'est-ce pas? C'est pas lui, il est initié. Je demande à quelqu'un, il dit, est-ce que tu as une famille, on va se sorcellerie à s'opposer. Où est la pharmacie? Vous dites, bon, comme je vais être sorcier, je vais s'opposer, j'ai été sorcellerie. Je vais être sorcier. Non. Les gens, vous voyez, là, ils ont été initiés à la sorcellerie. Or, quand tu es mis dans ce machin-là, pour sortir, c'est difficile. Il faut la main de Dieu. Amen. C'est le seul endroit très sûr où on peut délivrer et sortir. Et même quand ils sont à l'aise, ça les fatigue souvent. Vent, comme vent la nuit. Vent. C'est des vents, vous savez pas ça. Ça les fatigue. Amen. Amen. Vent. Ça les fatigue. Il faut les délivrer. Nous avons aussi délivré, félicité, elle est là. À Zaroko, apporter la vie à cette dame. Elle, sa spécialité, c'est un arbre. Quand elle était Dieu, mot atroce. Elle regarde comme ça, quand tu vas en bourse, elle dit que envoie un arbre chez toi. Bah! Ça te tue. Elle est là, félicité. Il l'a envoyé dans ses ouvriers tout à l'heure. Mais oui. C'est que la délivrance qu'on a apportée aux gens dans cette région, c'est terrible. Opprimé dans ma vie. J'ai eu des menaces de mort. Non, comme ça. La voici là. Tu es délivré, non? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle a délivré. Elle a regardé Ab. Les sorciers, vous voyez, les autres délivrés. Elle regarde Ab. Elle peut tomber. Tu meurs. Tu es mort. Souvent que j'ai fini les aveux, et puis j'imagine assez comment les gens vont tuer les gens. Frère, je ne suis plus à l'aise dans mon cœur. Vrai, la vie, elle est précieuse. C'est pour ça que je m'amuse pas à ce combat. C'est pour ça que je m'amuse. Je suis au front chaque jour. Pour ne pas qu'un individu pour rien de mettre fin à ta vie. Rien ne vaut la vie. Rien. Elle est précieuse cette vie. Amen. Amen. On dit amen. Amen. C'est pour ça que notre spécialité, c'est de combattre la sorcellerie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Elle a été délivrée, c'est ça, non? Elle a été délivrée. Toi, tu faisais quoi avant? Braiser une sauce? Elle est braise. Elle n'est pas dans la fin des... Allô, ma chère, acheter du blé, ou bien... Alors, tu veux acheter au bonbon, ou veux acheter au Belgique. Tout ça, c'est long. Elle presse. Elle quoi foutu, mais... Du riz.
Quand tu as le temps d'aller au marché, je ne peux pas marcher. Bébé, dès que Philippe prie, elle mange, elle regarde encore. Y'a qui? Elle a fait, elle baisse. Amen. Oh, ça y est. Ok. Elle a servi Satan avant. Un homme doit avoir toujours un passé. Ça, c'est avant. Or, l'église est venue apporter la vie autour. La vie, l'église, c'est la vie. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs. Amen. En fait, les gens n'ont pas la compassion des âmes. Jésus est une autre manière de voir l'être humain. Alléluia. C'est pour ça qu'il est descendu dans sa souveraineté. Le roi, Jésus est roi, est descendu. Amen. Payer le prix pour sauver l'être humain. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ayons la compassion des âmes. Alléluia. Ayons la compassion des âmes. Nous, notre prière est que Dieu nous aide, qu'on ait assez de financement. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup financé que ces vacances, on ne sont pas. Si on avait assez d'argent, on allait sortir. Pour des croisades. Nous sommes faits pour des croisades. On allait pendant la période des vacances sortir en grand nombre, aller dans les villages évangéliser. Ça nécessite des grands moyens. Une croisade dans un village, c'est au moins 2 millions. Déplacer les gens et tout ça, c'est 2 millions. Louer les chaises, c'est de l'argent. La sono, non seulement la sono, le groupe électrogène, c'est de l'argent. Amen. Je pourrais dire, c'est cette soeur-là, c'est ça. Et qui était à Abidjan, tu es venu te faire. Délivrer. Parce que tu avais. La sorcellerie. C'est clair. Elle dit, bon, ok, si je ne viens pas me faire délivrer, j'ai marié mon mari un matin. J'ai fait sauce copain. Oh, sauce copain, c'est trop rapide. Vous savez bien ça, hein? Hein, placali. On fait copain, c'est que le repas, là, ça n'a pas resté, ça n'a pas dormi. Amen. Amen. Vite, vite. Elle avait se fait délivrer. On appelait son mari, c'est même pas où sa femme se trouve. Elle dit, mais appeler son mari? Oui, son mari, tout ça. Aujourd'hui, elle est délivrée. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle est très belle. Mais. Avant, elle est dangereuse. Amen. Oui, on peut être délivré de la sorcellerie. Et puis être utile à la société. Amen. Oui, être utile à la société. Amen. C'est possible. Donner la possibilité aux gens d'expérimenter la bonté de Dieu. Dieu est bon. Oh, les gens viennent condamner les gens. Oh non, il est sorcier, c'est fini. Faut qu'on le tue. Point barre, ça ne se discute pas, on va le brûler. La chasse aux sorciers, on a brûlé le sorcier. Elle est délivrée. N'est-ce pas? Okay. On va regagner son mari. Tranquille, on va commencer à la suivre. Il n'y a pas de problème, amen. Elle va plus faire son s'arracher. Ça se coupe. Sont dîmés la nuit. Les sorciers sont terribles. Ils mangent deux fois. Dès que vous laissez terrible, hein? Il n'y a pas de pile. Vous mangez deux fois. Pour nous, là, vous finissez ça. Et puis là-bas, encore fait pour vous manger. Alléluia. Amen. Va t'asseoir, ma fille, que Dieu te bénisse. Son petit, quand il veut marier une femme, il faut bien regarder dans son fond. Ou bien, quand il veut marier un mari, il faut regarder dans son fond. Tu t'as marié, gnéni. Il va boire ton cerveau comme des gars. Ma tête, tu as Alzheimer. Je vais la sorcellerie. Les sorciers s'amusent pas, ils ne sont pas là pour faire cadeau aux gens. Le cœur qu'ils ont là, c'est pour gâter. Vous êtes pas avec la sorcellerie qui fait contre eux. C'est pour gâter. C'est pourquoi non, il a envie de gâter. Les sorciers ont envie de tuer. Vous avez le petit, un enfant qui traumatise. Le mari de sa mère et qui rentre dans son corps, il est mort, il est pique, ah, puis le mari frappe sa maman et puis il rit. Vous n'avez pas su ça hier, les amis. Mais ceci, ouais, c'est des mazos, hein. Mais viens, moi, les gens souffrent. Amen. Amen. On a dit, Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Après, on réglera ton problème. Amen. Alléluia. Donc, donnez la possibilité aux gens. D'expérimenter la bonté de Dieu. Amen. Ici c'est ça. Amen. Ici c'est ça. C'est celui qui ne veut pas changer qui meurt. Ici nous apportons la vie. Souvent même c'est terrible. Non, je ne veux pas. C'est ma. Après on est tranquille, doucement. Souvent c'est difficile comme la dame là. C'est difficile. Les gens ne veulent plus la récupérer. Nous l'avons récupérée.
Parce que la personne qui a besoin de vie, elle a besoin de la vie. Ici, c'est la vie, c'est Jésus qui est. Nous sommes en train de l'aider et je suis content pour elle. La soeur qui a donné les habits à cette femme. Or, cette femme m'a rencontré à Abidjan en sorcellerie pour me tuer. Elle m'a visité. Elle a fait me tuer. C'est pas ça? Bien. Vous connaissez bien ce que je suis. Il y a eu combat, elle et moi, après les délivrances. T'as voulu me tuer, non? Tu es venu dans ma chambre pour me tuer, puis il a été terrassé. Or, si j'étais les gens, ils disaient, ah, toi, tu m'as loupé, de loupé, et de Dieu. Oh, il est avec moi ici. Et ça, l'amour de Dieu. Voilà. T'as vu? Je m'occupe d'elle. On va appeler son congélateur. À quoi le congélateur? Elle a bloqué la vie des gens. Ok. On dit, on va te donner le congélateur. Les gens m'ont laissé ma mère. Personne ne m'appelle. Personne. Non, mais elle a besoin de vivre. Amen, c'est ça. Frère, révélons la parole de Dieu. Jésus dit, aimez-vous les uns et les autres, c'est ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas porter col pastoral, col, ou bien entourage, qu'on dit les pasteurs, ou bien donner révélation. Quel est l'amour que tu manifestes autour de toi? C'est ça. C'est le signe, Jésus dit, c'est le signe. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. L'amour. Il faut apporter l'amour. Oh, les gens disent, non, ta maman, ton papa ne dit plus bonjour. Je suis cela. Amen. Pourtant, elle m'a combattu. Elle a eu un combat terrible. Affrontement. Elle a failli me tuer. Monsieur Chapé. Oui. Et puis, j'ai étudié cette scène-là. Et puis, je suis monté en grade encore. En bas, j'avais 15 étoiles. Maintenant, il y a 25. Chaque jour, il y a combat ici. Il y a combat avec les sorciers. Mais aujourd'hui, amen, c'est pour vous donner un enseignement très fort. Pour vous dire, on peut passer de l'étape de la sorcellerie, une personne délivrée, utile à sa famille et utile à cette nation. Vous trouvez ça bizarre? Si. Amen. Ce sont les agents de Satan. Pourquoi vous n'avez pas ces gens-là au milieu de vous? Parmi vous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Ils ont plus. Où est les sorciers? Vous voyez là, ils ont plus de secrets. Quelqu'un qui est dans la bouche, il te voit déjà. Tu es dans la chambre avec ton mari. Lui-même il ravit le chicot. Il fait ce qu'il veut de toi. Puis ça va. Tu as caché tes millions, il prend des dents. Il se sert. Il va de le délivrer, l'emmener pour demander les secrets. Amen. Alléluia. Dans le mois de novembre, bientôt, vous allez voir mon livre. Mon premier livre va apparaître. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai causé avec lui. Depuis qu'il a commencé à suivre les vidéos, il a commencé à comprendre beaucoup de choses. Oui. C'est nous qui avons commencé à éclairer les gens sur le fléau. Le problème, c'est la sorcellerie. C'est une réalité. On ne peut pas inventer un nom comme ça. Ça existe. Moi, j'ai été victime. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. J'ai été victime.